Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous, 18h pile. Nous sommes en direct, vous êtes sur 01net TV, c'est parti pour 30 minutes de débriefing de l'actualité high-tech. Bienvenue dans 01 Live Hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, bienvenue dans le show high-tech hebdomadaire des fans de technologie. La ville là, c'est bien dit. Du futur, la ville du futur, on en parle souvent. À quoi ressemblera-t-elle? Eh bien, Amélie Charnet de la rédaction de 01net est allée dans le futur. Elle a vu des éclairages connectés, des poubelles connectées, des caméras connectées. Elle va tout nous raconter. Des poubelles connectées, tu es sûr? Oui, je crois bien. Oui, c'est beau. C'est à Barcelone, hein, tout ça. Et puis, en compagnie de Noémie, on va se pencher, non pas la ville de demain, mais celle d'aujourd'hui, et à la qualité de l'air. Comment respirer un air plus pur? Vous allez voir que la technologie peut nous aider à changer d'air, justement. Les lunettes Snapchat, ces lunettes rigolotes qui permettent de prendre des photos et des vidéos. Alors, elles arrivent, ces lunettes Snapchat. Regardez comme elles sont jolies. Après le flop des Google Glass, malgré tout, on peut se poser la question, est-ce le grand retour des lunettes connectées? Est-ce que tout cela a vraiment un avenir? Delphine Sabatier viendra nous dire ce qu'elle en pense dans sa chronique Zoom Actu. Et puis le côté labo, bien évidemment, on ira au labo 01net et on va découvrir ce soir un PC portable incroyable qui pourrait presque faire de l'ombre au MacBook d'Apple. Jérôme, accroche-toi, ce sera avec Aymeric Siméon. Et puis avec Raphaël Gabry, on s'intéressera à un nouveau smartphone qui est très attendu, c'est le nouveau OnePlus. Regardez comme il est beau! Oh, vous allez le découvrir en avant-première, enfin, en tout cas, un petit apéritif de ce 3T, c'est son nom, le 3T. Et puis ce soir, 01net vous offre des cadeaux, François. Oui, on va vous offrir, vous savez pas quoi. Pas à toi, mais c'est toi qui dois maintenant expliquer de quoi il s'agit. Si tu veux, vous allez pouvoir gagner des smartphones. Vous savez quoi? On va vous faire un teasing. Vous allez pouvoir gagner des smartphones et c'est Christopher Siminelli qui viendra tout à l'heure en toute fin d'émission qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner ces smartphones. C'est Noël avant l'heure sur 01net TV. Alors restez avec nous pour tout savoir sur ce nouveau concours. Et puis ce soir, c'est une première. Oula. C'est une première, car pour la première fois... On va être torse nu. Non, pas du tout. C'est pas ça. Nous sommes en direct sur Facebook. Ouh là là ! Salut Facebook. Ouais, il paraît que c'est un petit réseau social qui commence à décoller. On s'est dit, tiens, on va y aller. Donc vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur 01nettv.com et sur Facebook maintenant, Facebook avec le Facebook Live grâce... sur le compte de 01nettv, bien évidemment. Oui, grâce à Pierre Thiolin, il a branché toutes ses machines. Il y a des câbles partout, si vous voyez ça. Oui, il y a un camion satellite. Il a un petit filet de sueur qui coule ici, là, mais ça marche. Oui, enfin, parfois il a même un petit filet de bave. Mais enfin, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas grave. Soyez les bienvenus, c'est parti pour 01 Live Hebdo. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions pendant ce 01 Live. C'est sur Twitter que ça se passe avec le hashtag 01 Live, tout simplement. J'allais dire, c'est pas con, mais ça se dit pas. C'est pas mal, hein, franchement. Hashtag 01 Live. Et on va parler des lunettes connectées dans notre question 01net Orange ce soir. Alors la question du jour, justement, c'est lunettes connectées. Êtes-vous prêt à porter des lunettes connectées? Alors Google Glass, mais aussi spectacle de Snapchat dont on va parler, ou encore HoloLens, hein, voilà. C'est un gadget ou c'est l'avenir? Donnez-nous votre avis, vous allez sur www.01net.com et vous votez oui ou non. Voilà, point tout à l'heure. Toutes ces lunettes connectées, gadget ou avenir, dites-le nous. Oui, non, c'est la question 01net Orange. Et on va commencer donc par cette ville du futur. Jérôme, Camélie Charnet a découvert pour nous, c'était à Barcelone. Salut Amélie. Salut. Regarde comme nous sommes bien entourés ce soir. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Franchement. Nous avons Amélie à gauche. Voilà. Nous avons Noémie à droite. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Bonsoir Noémie. On retrouvera Noémie Lefebvre-Marek pour nous parler d'air pur. Alors oui, cette ville du futur, vous l'avez vue? Je l'ai vu, j'en ai eu un aperçu. Je l'ai vu, j'ai touché, c'était passionnant. Je vais juste rappeler peut-être ce que c'est que le concept de Smart City, parce que donc c'était lors d'un salon qui s'appelle Smart City Expo à Barcelone. Il existe depuis 2011 et c'est pour promouvoir, c'est un concept un peu utopique qui pense qu'il va y avoir donc, de plus en plus de gens dans les villes et que le seul moyen de rendre les villes plus sûres, moins polluées et plus économes, c'est de recourir davantage aux nouvelles techno. Bien sûr, donc, ah oui. C'est dans ce salon qu'on voit les dernières innovations techno à destination des différentes villes dans le monde. D'accord. Alors, ce qui était très drôle, c'est que j'ai vu énormément de poubelles intelligentes, pas connectées. Voilà. Pas connectées. Parce qu'elles sont pas connectées Internet, mais elles sont intelligentes. Intelligentes, c'est-à-dire. Alors, elles ont des petites puces et vous allez voir, c'est pas forcément. C'est normal, hein, dans une poubelle, souvent, il y a des trucs un peu bizarres. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. C'est ça, là. C'est un peu pour fliquer les gens, en fait.
Alors, en fait, il y a d'autres images. C'est, en fait, c'est les poubelles voilà, d'extérieur, c'est pas les poubelles pour la maison. C'est les poubelles que tout le monde a. Donc, en fait, il va y avoir une puce pour les identifier. Et quand le contenu est déversé donc dans les bennes, le chariot élévateur va les peser. Et sait quelle poubelle correspond à quel type de déchets recyclés. Et s'il constate que vous avez tout mis dans la même poubelle et que le poids de votre poubelle est énorme, ça veut dire que vous n'avez pas bien recyclé. Oh. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Ça envoie l'information directement. Ça envoie Robocop aux autorités qui locales, vous jette dans la poubelle. Qui nous jette dans la poubelle. Voilà, ça c'est envoie l'information directement aux autorités locales qui vous fait une petite amende au passage. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah, c'est beaucoup moins rigolo que ce que je croyais. Ouais. Eh bien, dites-moi. Ouais, bon, vous savez quoi, comme on est sur Facebook Live, vous pouvez réagir en direct. Hein, on a vos commentaires qui tombent là, donc n'hésitez pas, allez-y, Facebook Live ou YouTube ou 01net TV, bien sûr. C'est génial. Bon, ça c'était la poubelle intelligente. Après, il y a des capteurs partout dans le mobilier urbain. Alors, les bancs publics et surtout les réverbères. Donc, j'ai trouvé une petite start-up espagnole qui met différents types de capteurs à la demande des mairies. Donc, ça peut être la lumière, le détecteur de mouvement, l'humidité, le CO2. Et donc, toutes ces informations-là vont donc servir à remonter l'état de l'environnement ou du quartier au maire. Mais aussi, ça peut déclencher automatiquement des actions. C'est-à-dire que si le lampadaire ou le réverbère détecte qu'une personne court super vite, hop, on va augmenter la luminosité pour savoir qui c'est. Ou... Il y a aussi des capteurs de lumière. Donc, du coup, le réverbère va pouvoir avoir son intensité lumineuse qui va s'adapter. Donc, on va aussi perdre moins d'énergie. Voilà, donc... Je connais certaines villes dans le sud de la France qui seraient sans doute très intéressées. Et ça, c'est assez simple. On a déjà toutes les briques techno pour le mettre en place, quoi. D'accord. Toutes ces innovations, parce qu'il y en a d'autres, hein, tu as d'autres exemples à nous donner. C'est quoi? C'est du concret? Ça existe déjà? C'est encore des prototypes où on en est? Non, en fait, les technos, elles sont prêtes. Le problème, c'est que ça coûte cher et que toutes les municipalités n'ont pas les moyens de s'équiper. Et puis qu'il faut voir, est-ce que ça vaut le coup pour une ville d'investir massivement dans des capteurs, dans tout un système Quel est le retour sur investissement? C'est ça, pour des grosses villes comme Paris, oui. Mais après, pour une ville moyenne, on peut se poser la question. Il y a Caribou sur Twitter qui nous dit « On n'a jamais été aussi connectés, et pourtant plus personne ne se parle dans la rue, dans le vrai monde, c'est inquiétant. » Bon, c'est pas la faute aux poubelles connectées quand même, ça. Et puis, je sais pas trop. Puis c'est pas tout à fait vrai, moi je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme innovation? Alors, beaucoup moins riant, la vidéosurveillance intelligente prend beaucoup d'ampleur. Alors, c'est en partie dû, évidemment, à tous les problèmes de sécurité et au terrorisme. Mais on a notamment la reconnaissance faciale qui a fait d'énormes progrès en matière d'intelligence artificielle grâce à des algorithmes de deep learning. Donc, pour donner un peu une idée, jusqu'à maintenant, ce qu'on voyait dans les aéroports en termes de reconnaissance faciale, c'était qu'il fallait que quelqu'un soit face à une caméra pour qu'on identifie son visage. Mmh. Et bien maintenant, voilà, là, on voit une personne qui passe devant. Oui. Alors évidemment, si elle est de dos, qu'on voit que son nez, ça ne va pas marcher. Ouais. Mais on peut reconnaître des gens à la volée maintenant qui passent devant une caméra. Donc, il y a des villes comme Nice qui, depuis les attentats, ont demandé à tester ce système. Voilà. Après, je pense que ça peut être rassurant d'avoir ce genre d'outils, mais il faut bien encadrer toutes les données, toute la big data qui est récoltée par ces caméras. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu parles dehors. Tout à fait. Et en plus, ce n'est pas des systèmes fiables à 100% parce que je rappelle que le visage détecté va être comparé à une base de données et qu'ensuite, le système va donner une probabilité qu'il s'agit bien de cette personne. C'est des probabilités, c'est des statistiques. Donc, ça n'est pas... C'est pas du 100%. C'est pas du 100% sûr. Lucien nous dit quand est-ce que ça va arriver tout ça. Donc, tu l'as dit tout à l'heure. Ça existe déjà. C'est déjà commercialisé dans le monde entier. Voilà. Il y a des zones dans le monde, comme en Amérique latine, Mexico est vraiment à la pointe parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de problèmes d'insécurité dans ces villes où il y a les narcotrafiquants. En Asie aussi, et puis ça dépend de la réglementation dans chaque pays. En Europe, on est beaucoup plus protecteur. Donc là encore, la techno existe, elle est commercialisée, mais la réglementation fait que c'est encore très limité en Europe. Encore que c'est beaucoup utilisé dans les casinos pour détecter les visages des gens qui sont blacklistés. Qui sont interdits de... Ah oui. C'est déjà utilisé dans beaucoup de casinos en Europe. Oui, les casinos, évidemment, ce n'est pas les hypermarchés. Exemple, là, c'est... les files d'attente... Vous avez le droit d'entrer dans les hypermarchés, il n'y a pas de souci. Hein. Les files d'attente dans les aéroports, ne serait-ce qu'à Roissy, sont déjà gérées par ce genre de système, c'est-à-dire qu'on va compter, pour compter le nombre de gens, c'est de la vidéosurveillance intelligente. Ouais. Non, mais c'est des outils qui sont aujourd'hui, dans certains endroits, devenus indispensables, c'est certain.
Amélie. Autre chose ? Oui, un dernier petit mot sur une super... Alors moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus bluffé. C'est Thales qui a développé une interface centralisée pour les maires. Donc, c'est le nouveau dashboard des maires. Donc, en fait, le maire, sur son ordinateur, il va avoir toutes les infos qui remontent en temps réel de s'il y a des articles qui ont cité le nom de sa ville, les embouteillages, l'état des transports en commun, la pollution, le nombre d'agressions en temps réel, si la police les communique. En fait, toutes les infos possibles et imaginables à partir du moment où il peut les récupérer sont centralisées et en même temps donnent donc un portrait photo de la ville à un moment donné. Et ça peut aider à faire de la prédiction. Donc, par exemple, avec certains facteurs qui vont être croisés, on va savoir qu'il va y avoir un embouteillage dans un quart d'heure. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces embouteillages ? Et bien, du coup, ça aide à la prise de décision. Et alors, le but final, c'est aussi de pouvoir utiliser ces données pour les rendre publiques et les montrer aux utilisateurs. Donc, dans la ville, pourquoi pas diffuser ces infos sur des panneaux à messages variables ou même créer des applications au niveau local avec des petits push. Les gens seraient alertés de certains événements. C'est impressionnant, voilà. Ce tableau de bord. Oui, c'est impressionnant, ça fait un peu peur. Ça fait genre Big Brother is watching you, hein, les gars. Moi, j'ai les moniteurs et vous, vous n'avez rien. Je vais couper la rue, là. Allez, boum, c'est pas ça. Merci beaucoup, Amélie. Ouais. Et puis, dans le prochain épisode, on parlera de sécurité, parce qu'il y en a qui doivent déjà se frotter les mains avec tout ça. C'est les hackers. Hein. Ouais, même c'est des jeux vidéo là-dessus. Merci beaucoup, Amélie Charnay, donc, qui était à Barcelone. Et vous pouvez en savoir plus, bien évidemment, sur zeronet.com. Merci beaucoup. On va parler maintenant de la ville d'aujourd'hui, celle dans laquelle on vit, qui malheureusement n'est pas toujours d'un grand niveau de propreté, et notamment en matière d'air, hein, ce qu'on respire, Noémie. Exactement, c'est un enjeu qui va devenir central dans les années à venir. Plus près du micro, voilà, ça c'est important. Oui, alors je peux le prendre à la main aussi. Non, vas-y, pose-le comme ça, c'est très bien. Voilà, D'accord, donc en fait, c'est vraiment, vous allez voir, c'est un sujet qui va monter, la pollution de l'air, à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que vous allez le voir tout à l'heure, il y a des chiffres qui sont assez alarmants. Je vais vous en donner un. Alors, allez, un chiffre qui fait peur. Un chiffre qui fait très très peur. Oui. Mais moi, vraiment, j'ai vraiment appris quelque chose. 48 000 personnes meurent chaque année du fait de la pollution de l'air. Et ça c'est juste lié aux particules fines. Donc, il n'y a pas que les particules fines comme pollution dans l'air. Donc, c'est vraiment un chiffre énorme. 92% de la population mondiale respire un air qui est impropre en réalité. Donc, ça va vraiment devenir un problème majeur. Sanitaire important. Très important. Ouais. Donc, je me suis rendue mardi dernier à un forum qui est organisé qui s'appelle Les Respirations à la Cité de la Mode et du Design à Paris. Qui porte bien son nom. Oui, c'est vrai. Exactement. Pourquoi pas les respirations, c'est plutôt bien. Évidemment, il y avait des institutions, des organisations et des entreprises de la tech qui ont. La tech a des choses à dire sur la respiration, sur la qualité de l'air. Donc je vous ai ramené... C'est quoi ce truc qu'on voit là ? Ah, alors ça, c'est justement, je voulais en parler tout à l'heure, mais parlons-en. Écoutez, il n'y a aucun problème, c'est MySphere. Oui, parce qu'on est dessus, donc... c'est MySphere. Donc MySphere, en fait, c'est un objet qui va permettre d'analyser la qualité de l'air, mais aussi d'alerter. On le voyait à l'instant sur les images, il y a un système d'alerte, il y a le bleu, ça veut dire que tout va bien. Alors ça, c'est vraiment pour la qualité de l'air intérieur, parce que alors là, la qualité de l'extérieur, on arrive bien à s'imaginer le problème. C'est les gaz de pollution, gaz d'échappement, mais à l'intérieur, figurez-vous que c'est encore pire, c'est 2 à 5 fois pire. Oui, j'ai appris à l'intérieur. Ça aussi, c'est fou. Hein. C'est hallucinant. C'est dingue. Moi, j'ai vraiment halluciné. En fait, c'est les peintures, les meubles, vous savez, les meubles en kit qu'on achète pour pas citer de marque, etc. Eh bien, en fait, tous ces meubles-là sont faits avec des résines, avec des vernis qui dégagent en fait des polluants. C'est un truc de dingue. Les coves. Les coves, c'est le. Je vais vous apprendre un mot. Ce sont les composés volatiles, les composés organiques volatiles. Les COV. Et exactement. Et donc là, ce. Bienvenue dans le MOOC de chimie. C'est ça. C'est très bien. Cours de chimie gratuit. Ça va pas aller bien loin. Mais en tout cas, voilà. MySphere, donc alerte bleue, tout va bien. Ouais. A priori chez vous. Alerte orange. J'allais dire ça pue, mais c'est pas loin, quoi. Il faut faire quelque chose. Ça pue pas toujours. C'est ça qui est. Oui, on le sent pas. On le voit et on ne le sent pas. Moi, j'en ai un. Je veux voir quel temps il fait chez moi. Commence à devenir critique et il y a une alerte rouge également qu'on ne voit pas. Donc c'est relié évidemment à une application. Mais alerte rouge, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut partir de la maison. Il faut faire ses valises et vraiment partir. Non, il y a un truc hyper important. Vous savez qu'il faut ouvrir la fenêtre, non ? Ça peut se faire. Pourquoi pas ? Jérôme, tu as raison. Il faut ouvrir souvent la fenêtre de la maison
pour laisser rentrer l'air extérieur. C'est justement ce que vous proposez... Là, on n'a rien découvert, les amis. Hein. Ouais, mais il y a des gens qui ne le font pas. Ce soir, Zéro Live vous apprend à ouvrir la fenêtre. Des fois, on ouvre des portes ouvertes. C'est ça. Non, mais l'outil est assez astucieux parce qu'en fait, l'appli, évidemment, va vous aider à analyser l'air de chez vous et va vous donner des petites missions à faire. Donc, par exemple, évidemment, ouvrir les fenêtres, mais aussi tester différentes pièces chez vous pour que vous rendiez compte en fait, de l'impact de certains produits chimiques sur justement les polluants à l'intérieur. Donc ça, c'est MySphere. Vous pouvez le louer. En fait, c'est assez intéressant. Louer pour 10 jours ou pour un mois pour faire un petit diagnostic. Alors, pour 10 jours, c'est 39 euros, prix de lancement. Un mois, je ne me souviens plus, mais c'est un petit Je crois que c'est 50, non ? Peut-être. Il me semble que j'ai vu passer ça. Jérôme Colombin, vous avez toujours raison. et puis, vous pouvez aussi acheter le détecteur, donc là, qui vous fera un bilan très complet. Et ça sera pour un coût de 179 euros. J'avais autre chose à dire, mais j'ai peut-être... Non, c'est bien. J'ai tout dit. Bon. C'est très non, bien. Mais tout va bien. Oui, ça sortira en janvier. Comme elle t'a un peu cassé, elle là, un peu Jérôme cassé, Colombin, ouais, toujours truc. Non, mais c'est bien. C'est la monnaie de ma pièce sur le mou. Oui, c'est vrai, c'est bien. Et bim, comme on dit. Je voulais vous parler aussi d'autre chose. Donc là, on était sur l'air à l'intérieur de la maison. Moi, je voudrais vous parler aussi de l'air à l'extérieur, parce que c'est quand même un vrai problème. Donc là, je vous ai ramené un petit truc. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Non, mais je pense qu'on va passer un bon moment quand tu vas le mettre. Ça, tu vois, il y a plein de choses dont je ne suis pas sûr. Mais ça, c'est certain. Je vous fais une petite démonstration. C'est, voilà. c'est bonheur, chaleur. C'est alors, une burqa. Alors, on y va. Pas de réaction. L'humour de Jérôme Colombin, mesdames, messieurs. Donc, en fait, c'est magnifique. Tiens, mets tes pieds dans le plat. Là, vous ne m'entendez plus, normalement. Oui, on t'entend un peu. C'est interdit, ça. Mais non, c'est pas interdit. voilà, c'est tout. Bon, allez, stop. Mais alors, donc, tu mets ça là comme ça, mais on voit, par exemple, parfois en ville, même dans des grandes métropoles, à Paris, certains Asiatiques qui mettent des petits masques pour justement se protéger de la pollution. C'est à peu près la même chose que ça ou ça va plus loin? C'est un peu plus évolué quand même. Vous voyez déjà, alors d'abord, il y a un filtre qui est un peu plus évolué. Il y a trois couches qui permettent de filtrer jusqu'aux particules très fines. Enfin, c'est ce que dit Wear. Hein. C'est le fabricant... en kickstarting là, actuellement de ce foulard. Donc l'intérêt, c'est que c'est un peu plus joli en fait, qu'un filtre blanc qu'on met sur le visage. C'est ça que vend... Ça, c'est le modèle féminin. J'imagine qu'il y a des modèles masculins. C'est mixte. Très joli pour un homme aussi. Vous avez aussi Snood. Attends, je vais essayer de snood, il est... C'est quoi un snood? Un snood, c'est ça. Ah, c'est ça, voilà. Ah, bah oui. C'est ça. Et puis aussi des tours de cou. C'est comme ça. Vous êtes magnifique. Ah, ouais, c'est bien. C'est vraiment très charmant. Bonjour. Alors, je voudrais quand même, soyons un petit peu sérieux. Ça sent un peu bizarre, hein, quand même, ce truc-là. Je crois qu'il a déjà servi. Alors, pareil, le Wear est connecté à une appli. Vous êtes vraiment très beau. Je pense qu'il y aura une petite photo à faire. Ouais, je pense. C'est pour ça parce qu'il y a quand même de la high-tech dans tout ça. Il y a un peu de high-tech. Alors, C'est autre chose. On dirait parce que le temps qui vous était imparti est complètement explosé. Juste pour terminer avec ce foulard, il est connecté à une appli. Et donc, l'appli va vous dire, attention, changez votre filtre. Parce qu'évidemment, le filtre, il va être... Mais au bout d'un moment, il est saturé. Il faut le changer. Donc, l'appli va vous indiquer s'il faut changer le filtre ou pas. Et puis, il va aussi vous proposer... va vous dire si là où vous êtes dans la rue est particulièrement polluée ou pas, va vous proposer des itinéraires. Il faut quand même dire, je ne l'ai pas dit. Des itinéraires bis de rue moins polluée. Voilà, exactement. Non, mais c'est quand même intéressant. Si on roule en vélo, moi, je serais assez contente de savoir par quel itinéraire pouvoir passer sans me faire polluer. Moi, je serais curieux de connaître la véracité de ces informations quand même. Parce qu'en temps réel, connaître l'état de pollution d'une rue, bonjour. Hein. Oui, c'est vrai. Mais quand tu auras 100 000 utilisateurs, oui, peut-être. Rapido, c'est un prototype. C'est très important de vous le dire parce que c'est pas la version définitive. Ça, c'est le prototype de la V2, entre guillemets. Ça, c'est un filtre qui fonctionne avec un petit moteur. Donc là, ce filtre-là, ça fonctionne sur la respiration. Ça filtre au moment de l'inspiration. Ah, là, on n'a plus besoin de respirer. Là, il n'y a plus besoin de respirer. Ah, c'est cool. C'est simplement... je vais l'allumer. Je ne sais pas si on va voir. Je ne pense pas. Ouais, bon, il y a une petite lumière, un petit moteur. Plus haut, pardon. Hop, plus haut. C'est ici. Et donc ça, c'est vraiment un prototype. C'est assez gros. Ouais, ils sont en train de travailler sur la miniaturisation de cet appareil qui permettra en fait d'améliorer l'efficacité. Le produit est en développement actuellement. Il sortira en mars. Il est disponible en précommande. Les prix vont de 60 à 120 euros à peu près. Et on peut choisir la couleur. On peut choisir la couleur. Il y a plein de motifs. Il y a une styliste qui a travaillé là-dessus. Parfait. Merci beaucoup, Noémie. Merci Noémie. On respire mieux d'un coup, hein, t'as vu ? Ouais. Ah ouais, ça change tout. Écoutez, notre bouffée d'oxygène aussi de ce Zéro Live Hebdo, c'est Delphine Sabatier. On va la retrouver dans un instant pour son Zoom Actu. Et puis après, direction le labo. Merci d'être là.
Delphine Sabatier nous a rejoint. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, écoute, alors là, tu vois, cette fois-ci, dans la V2, la parité n'est pas du tout respectée, non. Mais c'est plutôt bien, moi je trouve. Vous allez vous rattraper plus de femmes après, il y a des garçons, je crois. Oui, c'est vrai. Ah, puis en plus, barbu. Vous êtes deux déjà, vous. Tout ça, enfin, ouais. Voilà. Oui, mais enfin, on a fait ce qu'on peut pour se féminiser, hein. Vous avez vu, avec oui, les foulards. Notamment toi, Jérôme, ce rouge à lèvres te va très bien. Ouais. Donc, le Zoom Actu de Delphine Sabatier, et aujourd'hui, on va parler de lunettes connectées, Jérôme. Oui, alors bah, l'actu, c'est la sortie, enfin l'arrivée, si j'ai bien compris, des spectacles de Snapchat. Mais, il y a également des rumeurs concernant un projet de lunettes connectées fabriqué par un certain Apple, c'est ça? Oui, alors c'est plus que des rumeurs, en fait, ce sont des confidences qui ont été recueillies par un journaliste qui est assez réputé pour ses informations sur Apple, qui travaille aujourd'hui pour Bloomberg. Et il semblerait effectivement qu'Apple travaille sur un projet de lunettes qui serait capable d'afficher des données, donc en des données virtuelles, des contenus virtuels en surimpression. Donc réalité augmentée. En fait. Voilà. Alors on pense à la HoloLens, spontanément, à la Google Glass même. Eh bien, vous parlez d'HoloLens au Google Glass. Alors ça, on ne sait pas entre les deux projets où ira Apple, parce que c'est quand même deux choses différentes. Sur les Google Glass, on est vraiment sur une surimpression sur des lunettes en transparence, alors que dans HoloLens, on est dans un environnement où là, on projette pratiquement un objet en 3D autour duquel on peut tourner. Enfin, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Donc, où va se situer Apple au milieu de ces deux projets? C'est ce qu'on n'est pas capable ça, de vous le dire voilà, actuellement. Ce qu'on est sûr, enfin en tout cas c'est à peu près certain, c'est que ces lunettes seront connectées sans fil à un iPhone, évidemment. Ah tiens, hein. C'est bizarre. Voilà. Pas avec un Android, c'est bizarre. Et non. Donc ça viendrait compléter la galaxie iPhone, voilà, avec la Watch. Avec... Compléter la galaxie, c'est amusant. Ah oui, compléter t'as raison, la galaxie. Voilà, Galaxy, machin, iPhone, Samsung. On sait qu'Apple est depuis longtemps intéressé par cette réalité augmentée. Hein. Encore dernièrement, quand Pokémon Go est sorti avec le succès que ça a connu, bah, Tim Cook a réitéré son intérêt pour la réalité augmentée en disant même que c'était une grosse, une gigantesque opportunité commerciale et non pas technologique. Donc, à voir quel business il imagine avec ça. On sait aussi qu'Apple a réalisé des rachats d'entreprises spécialisées dans ce type de technologie. On pensait plutôt au démarrage d'ailleurs que ces technos serviraient pour de la télé, pour une Apple TV avec des informations supplémentaires. Bon, ce serait plus certainement autour de lunettes pour l'instant. Pourquoi plus certainement? Parce que d'après le journaliste de Bloomberg, il y aurait vraiment des premiers indices concrets, à savoir des commandes qui auraient été réalisées chez des fournisseurs. Ah ouais, ils en sont là quand même. Des écrans qui s'affichent tout près des yeux et donc voilà, qui s'apparentent à des lunettes. Quoi. Alors, quels sont les freins au lancement de ces lunettes connectées? Parce que j'imagine que c'est quand même assez compliqué à concevoir, non? Oui, alors on n'attend pas ce produit avant 2018 à la sortie des labos de chez Apple. Pourquoi c'est compliqué? Parce que finalement, il faut savoir miniaturiser l'ensemble de ces technologies. Il faut trouver des batteries qui tiennent le coup. Il faut assurer un bon confort de vision. Je ne sais pas, vous portez des lunettes, comment on gère ça demain si on vous rajoute des lunettes connectées? Il faut que ce soit léger, en même temps compact. Enfin, voilà, il y a tout un tas de problématiques technologiques qui se posent. Et puis, il y a surtout l'utilité. À quoi ça va servir? Donc, on parlait de cet environnement iPhone. Autour de l'iPhone, il y a déjà la Watch qui a du mal à s'imposer parce que, pour l'instant, on se dit c'est encore un gadget, est-ce que c'est vraiment utile? Demain, si je rajoute des lunettes, qu'est-ce qu'elles vont faire de plus, finalement, par rapport à une Apple Watch? Cette question de l'utilité, pour l'instant, je crois que personne n'y a encore bien répondu. Mais Tim Cook, lui, ne lâche pas l'affaire, hein, puisqu'il a dit, vous verrez, on ne pourra plus vivre sans. On se demandera même comment on a fait pour supporter cette vie au quotidien sans avoir des lunettes. Enfin, il n'a pas dit des lunettes, mais sans avoir la réalité augmentée en permanence avec nous. Donc, visiblement, il n'est pas tellement désespéré par rapport à l'échec, parce que pour l'instant, on peut parler d'échec des Google Glass. On rappelle quand même que la commercialisation a été arrêtée par Google. Oui, il n'y avait pas de marché. Pour des raisons de prix et puis aussi. Technologiquement, c'était vraiment c'était nul, quoi. Il faut le dire, on ne voyait rien. Enfin, c'était ça, ce côté connecté. Google Glass, c'est sévère. Moi, j'ai eu des expériences intéressantes dans des musées où on pouvait vraiment avoir de l'information supplémentaire. Non, mais je suis d'accord, mais 5 minutes par jour. Pas quelque chose qu'on peut garder comme ça tout le temps sur le nez pour en avoir une expérience au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? C'était amusant pour nous parce qu'on voyait pendant 5 minutes un truc en haut à droite comme ça. Mais. Enfin, voilà. Il y avait des gens qui le gardaient toute la journée. Hein.
Ouais. Ah bah oui, des, ouais, des mecs de Google, ouais. Ouais, ouais. Non, pas seulement. C'était assez fun au démarrage, oui. Et on pouvait quand même percevoir une certaine utilité dans le domaine de la culture, voilà, pour les musées, tout ça, ça. On sentait qu'il y avait un usage. Le problème, c'était le coût aussi. 1 500 $, je crois, à l'époque, pour des Google Glass. Voilà, tout le monde ne pouvait pas se permettre d'acheter suffisamment de lunettes pour l'ensemble des visiteurs dans les musées, par exemple. HoloLens aussi. On voit que c'est un projet très ambitieux, qui donne vraiment envie, parce que là, on est vraiment sur de l'hologramme. Mais là, on est encore à 3 300 €, finalement, pour les développeurs. Ouais, donc, c'est... donc voilà, il y a du chemin à parcourir. Et puis, bah, la vraie question, c'est est-ce qu'on sera prêt à porter des lunettes connectées en 2017. C'est ça la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'on a envie de vivre demain avec nos lunettes connectées? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. D'ailleurs, exactement. Tout à fait. Regardez la tendance. Non à 67%. Oui, êtes-vous prêt à porter des lunettes connectées? Voilà, c'est une première réponse. Après, ça, c'est représentatif. Hein, moi, ce que je me dis, c'est que il y a eu plein de flops par le passé sur des produits, ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait un bon produit qui sorte au bon prix, les tablettes, au bon moment. Il y a combien de générations de tablettes? Exactement. Les tablettes, même les smartphones. C'est l'arrivée de l'iPhone qui a permis de rebondir. Et donc, je suis assez optimiste parce que je me dis peut-être que jusqu'ici, on n'était pas prêt, qu'en 2017, on sera prêt. Eh bien, dites-moi, c'est un sacré sujet, ça, les lunettes. On va voir ce qui se passe. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Delphine. Delphine Sabatier, on est un peu en retard. C'est pas grave, on a l'habitude. C'est pas grave. Dans un instant, le Labo Zéro Net. Et puis aussi Christopher qui viendra nous offrir des cadeaux. Il est comme ça, Christopher. D'ailleurs, il est déguisé en Père Noël. Non, je plaisante. À tout de suite. Ah, ça pourrait être bien. Et donc, le labo est là, les amis. Nous avons d'un côté Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut. De la rédaction de 01net. Salut Raphaël. Et Aymeric Siméon. Salut Aymeric. Bonsoir. Aymeric est venu avec une bête de course, un petit PC portable étonnant dont il va nous parler dans un instant. Mais si on commençait par les smartphones. Oui, avec ce teasing qui enflamme le web, hein, Raphaël. Ouais. Le nouveau OnePlus va pas tarder à débouler. Ouais, c'est le OnePlus 3T. Alors, il vient d'être annoncé. Il y avait le OnePlus 3 qu'on avait testé en juin, qui avait été un super smartphone à 400 €, smartphone haut de gamme. Vraiment, à la rédaction, on avait été assez conquis, mais comme les modèles précédents d'ailleurs. Oui. Et là, en fait, c'est un peu une première pour OnePlus. Il lance une sorte de version Plus ou S, comme aurait pu le faire Apple. Ça s'appelle le OnePlus 3T. Alors, il y a quelques petites différences. À première vue, c'est strictement le même appareil. Visuellement, c'est la même chose. Il y a une couleur en plus, mais enfin bon, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'il pourrait y avoir une petite innovation qui pourrait vraiment être très intéressante. C'est au niveau de la batterie. Parce que figurez-vous que c'est le même appareil, donc dans la même, avec la même hauteur, etc., la même épaisseur. La batterie, elle va passer de 3000 mAh à 3400 mAh. Ah. Et donc ça, ça pourrait faire la différence, parce qu'en fait, sur le OnePlus 3, si vous vous souvenez, c'était un Snapdragon 820 qui faisait tourner la machine. Et c'est un processeur, malheureusement, qui n'était pas très bien optimisé. Et tous les smartphones qui avaient ce processeur, ils n'étaient pas hyper autonomes, hyper endurants. Et donc là, bon, il faudra évidemment faire les tests. Mais c'est une, on va dire que c'est une hausse assez importante, donc ça pourrait avoir un impact assez significatif sur l'endurance du smartphone. Donc ça pourrait le faire passer peut-être devant des smartphones. Alors pas le Galaxy S7 parce qu'en France et en Europe c'est un autre processeur, mais les LG G5, les HTC 10 et évidemment l'ancien OnePlus 3. Donc ça pourrait être assez intéressant. Donc à confirmer dans les semaines qui viennent. À confirmer rapidement, on va le tester très rapidement. D'accord. Et en fait je dis ça parce que le OnePlus 3T a aussi un nouveau processeur, c'est le Snapdragon 821 qui est lui-même mieux optimisé et plus puissant. Donc il est plus cadencé que le OnePlus 3, donc on devrait avoir un smartphone qui est plus puissant, plus rapide et qui en plus tient plus longtemps. Donc a priori ça pourrait être carrément plutôt le, pas mal. Presque plus le carton plein. Quoi. Très bien. Très bien pour ce et le, OnePlus. Simplement, tout petit détail, le prix. Ce qu'il arrive le 28 novembre. Tout petit détail. Tout petit détail. Non, je dis ça parce qu'il y a une petite hausse. 6 000 euros. Allez, on passe au. Voilà. C'est bon, c'est vendu. Non, je dis ça parce qu'il y a une petite hausse de prix. Il est à 439 €. Si vous vous souvenez, le OnePlus 3 était à 400. Donc, c'est quand même pas gratuit. Ouais, ce petit supplément. Détail, voilà. On a l'impression que de génération en génération, les prix des OnePlus s'envolent, non? Oui, alors exactement. Ouais, c'était, c'est un peu l'impression le flagship qu'on peut avoir. Killer. Il ne faudrait pas qu'il se transforme en flagship tout court. Ouais. Bon, la hausse est mesurée. Il y a quelque chose derrière, mais il va falloir que ça ne monte pas trop. Moi, je pense qu'au contraire, on va sur cette voie-là. De toute façon, tous les constructeurs vont dans cette voie. Ils arrivent comme ça, ils se font un petit chemin avec ils des produits pas trop chers. Et puis, petit à petit, le jour où ça marche, le jour où ils sont connus, ils rétablissent des marges un peu plus classiques. Parfait, merci beaucoup Raphaël. Merci. Et on enchaîne maintenant avec Aymeric, the king of the PC, vous le savez, hein, sur Zeronet TV, Zeronet.com.
Et donc, on nous a annoncé avec un, je sais pas, une espèce d'appareil qui est en deux parties, c'est ça? On nous a annoncé un ultra portable et puis on dirait une valise. Là. Bah, en fait, alors, l'ultra portable, il est là. Ah, d'accord. Voilà, et en dessous, c'est la batterie. Voilà, en dessous, non. Enfin, oui, on pourrait, mais non. Donc voilà. Donc ça, c'est le Razer Blade Stealth. Alors, c'est pas tout à fait tout nouveau, dans le sens où c'est un PC qui est déjà sorti aux États-Unis. Oui. Mais jusqu'à présent, Razer n'avait pas réussi à s'exporter en Europe, et plus particulièrement en France, pour différentes raisons, on ne reviendra pas dessus. Et là, ça y est, depuis cet automne, en fait, on peut commencer à commander pour des livraisons fin du mois, début du mois de décembre, des machines Razer, donc, dont celle-ci, donc, qui est un 12,6 pouces. Donc c'est vraiment un ultra portable qui a priori la vocation à venir braconner sur les terres d'un certain MacBook Air. D'accord. Voilà. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Non, pas du tout. Il est joli. Il ressemble absolument pas. Il est très joli. Hein. Voilà. Et c'est une très jolie machine. Alors on peut la personnaliser un petit peu sur le site de Razer. Hein. Je trouve qu'il y a, si je peux me permettre, il y a un peu trop de ports USB de prise, non? Ouais, c'est vrai. T'as perdu l'habitude un peu. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour une fois, c'est-à-dire qu'il y a quand même des constructeurs qui se disent que finalement notre clé USB plein format. Tu veux dire pour une fois on retrouve un vrai PC quoi. Voilà. C'est ça. Bah, c'est-à-dire une connectique étoffée. Et puis un petit peu ça fait très 2015-2016. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Bah ouais, c'est un peu le problème. Un peu old school. Bah, mais quand même, il y a quand même un port USB Type C. Hein, attention, voilà. Et compatible Thunderbolt 3. Donc ce qui en fait m'amène à l'énorme bloc qui est là-dessous, qui est en fait un très bel étui. Attendez, on a trop de PC sur cette table. Je suis désolé. On est comme PC, ça, nous. Il n'y a qu'un PC. Hein, après, ouais. Deux. Et un Mac. Bref. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une boîte pour pouvoir mettre une carte graphique externe à l'intérieur. Mmh. Alors, c'est très sympathique. Hein. On prend sa carte graphique de PC de bureau, on l'enclenche dans cette petite boîte. Ah, c'est au format des cartes graphiques de desktop ? Tout à fait. Alors, ça s'ouvre. Alors, à l'intérieur, il doit encore y avoir la protection parce que je n'ai pas eu le temps de la armer. Mais bon, ça s'ouvre assez simplement. Hein. C'est un rack comme ça, en fait. Hein. Ouais, d'accord, voilà. Ouais, on voit bien. Voilà, ça se... bon. Et en fait, là, à la place du truc en mousse qui est là, normalement, il y a une carte graphique. D'accord. Et hop, on referme. Et on connecte simplement cette petite chose en Thunderbolt 3 à la machine, et ça permet de pouvoir utiliser la puissance de la carte graphique, enfin en tout cas une partie de la puissance de la carte graphique, sur le PC ultra portable. Ce qui fait que on arrive, on est en voyage, on prend sa petite bête. J'ai mon ultra portable qui me sert pour mes tâches bureautiques, etc. Là, regarder des films. J'ai envie de fraguer comme un malade sur du Call of Duty à 100 images par seconde. Ouais, comment il parle ou n'importe quoi. Hein, voilà. Voilà, par exemple. Et ben, je branche à la ça. Maison, hop, et je branche ça, je branche donc le Razer. Et d'un coup, mon PC est testostéroné. Bodybuildé. C'est ça ? On ne prend pas des mots trop compliqués. Il y a trop de syllabes, c'est pas bon. C'est compliqué. Voilà. Et donc, effectivement, on peut le transformer en petite machine de jeu quand même. Ouais. C'est mal. Hein. Pas mal. C'est pas mal. Alors, bon, ça, c'est alors ça coûte un bras, bien sûr. Cette non, pas du tout. Même pas ? Eh ben non. Ah bah non. Parce que finalement, un petit détail, comme dirait Raphaël. Alors, oui, il y a un petit détail. Alors, c'est un PC ultra portable. Il est disponible à partir de 1099€ sur le site de Razer. D'accord. Ça, c'est le PC. Ça monte après. Plus on rajoute de SSD de mémoire. Oui. Plus on va monter dans les prix, puisque le processeur est toujours le même, c'est un Core i7. Et le Core, pour l'instant, le prix n'est pas définitif, mais on tape sur un 400-500€. Voilà. Donc ça reste effectivement des choses relativement chères, mais bon an, mal an, on a presque de quoi se faire un PC de jeu qui tiendra la route, quoi. Voilà. Parfait, super. Très bien. Juste, j'avais une petite question, je ne sais pas si tu l'as précisé. Est-ce que je peux brancher ça sur n'importe quel PC ou ça marche qu'avec celui-là ? Alors, c'est une bonne question. À partir du moment où c'est du Thunderbolt 3, oui. La théorie voudrait qu'on puisse le brancher à peu près à n'importe quel PC compatible Thunderbolt 3. Il va falloir ou des pilotes, n'importe quel, plein de trucs. Non voilà, alors après se pose la question de la compatibilité avec le firmware, etc. D'accord. Normalement, c'est compatible. D'accord. Voilà. Parfait. Après, c'est à suivre, etc. Là, on est d'accord, tu as une carte graphique en mousse. En fait. J'ai une carte graphique en mousse. C'est la carte graphique en mousse. J'ai une carte graphique en mousse à l'intérieur. C'est Christopher Siminelli qui vient d'apparaître. Voilà. Salut Christopher. Salut. Raphaël s'est métamorphosé comme ça. Formidable. Et avec Christopher, on va maintenant parler de choses qui font du bien. On va imaginer Noël. De mousse.
de sapin de Noël, de cadeaux de Noël. Et oui, parce que bah oui, voilà. Le dossier de Pâques. Le dossier de Pâques de Noël de 01net. On est toujours on est que le 17 novembre, mais c'est vrai que c'est déjà Noël sur 01net. C'est quand même une grosse période pour faire ses achats, etc. Donc depuis ce matin, gros dossier avec presque 200 idées cadeaux que vous pourrez retrouver à partir de voilà pour tous les budgets. Il y en a à partir de 20 €. Donc vous voyez, on n'est pas dans le haut de gamme. Donc le Razer là, 1000 euros, c'est déjà voilà, hyper luxe. Nous, on est à partir de 20 €, donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, dans toutes les catégories, smartphone, photo, vidéo, objets connectés, gaming, drone, etc. Voilà, donc je pense que le cadeau que vous aurez sous le sapin cette année, il est dans ce dossier. Voilà, en gros, on veut faire un cadeau high-tech, on va sur ce dossier-là, on trouvera notre bonheur. Garantie. Tester, expliquer, décrypter. Voilà, et des conseils pour bien aussi. Acheter. Deux petites choses sur ce dossier. La première nouveauté, on a un outil de comparaison de prix. Donc vous allez dans la rubrique bon plan de ce dossier. Vous tapez n'importe quoi, pas forcément des produits qui sont référencés dans le dossier. Vous tapez n'importe quoi, on est capable de vous sortir le meilleur prix disponible sur le marché. J'ai testé coton-tige tout à l'heure, ça a marché. Avec quoi? Coton-tige. Ouais, je fais des tests comme ça. Coton-tige, d'accord. C'est pas mal, ça. Ouais. Voilà. Et puis, je vais essayer brosse à dents immédiatement. On va voir. Vas-y. Et donc, cette année, on vous fait gagner 5 smartphones Wiko Eufy d'une valeur de 200 €. Donc voilà, c'est un petit smartphone très sympa, 5 pouces, joli design, 3 Go de mémoire à vivre, lecteur d'empreintes digitales. Enfin, le test est disponible sur 01net. Mais voilà, on en fait gagner 5 et vous avez jusqu'au 30 novembre. Vous suivez toujours? Ah ben oui. À partir du 1er décembre, d'accord. Autre jeu concours, donc ça n'a... Ah. Format calendrier de l'Avent. Tous les jours, on va vous poser une question et avec encore d'autres cadeaux à gagner. Waouh, bah attendez, c'est Noël avant l'heure, c'est cool. C'est Noël. Allez-y, donc tout ça sur 01net.com, bien évidemment. Merci beaucoup, Christopher. Merci, Christopher. Un dernier petit point concernant notre question 01net Orange. Oui, Jérôme. La question du jour, c'était la suivante. Êtes-vous prêt à porter des lunettes connectées? On en parlait tout à l'heure avec Delphine Sabatier. Alors, ça a un petit peu augmenté. Les oui ont un petit peu progressé, mais enfin, c'est quand même majoritairement non hein, pour l'instant. Ça ne vous tente pas trop. Vous avez toute la semaine pour voter, bien sûr, sur 01nettv.com et 01net.com. Voilà, ce 01 Live est terminé avec un peu de retard. On tenait juste à signaler qu'on a eu un petit problème technique, visiblement, de son sur YouTube. Donc, on salue tous ceux qui sont partis de YouTube et qui sont venus nous rejoindre sur la page Facebook, puisque sur Facebook Live, on avait le son. Pourquoi ? Bah si on le savait, hein, si on savait pourquoi ça faisait ça, on va enquêter, vous allez voir. Ouais. Les meilleurs. Si tout va bien et si vous m'entendez, vous devriez pouvoir retrouver le replay, je pense, prochainement dans la soirée sur 01nettv.com, bien entendu. Voilà, donc si vous avez eu l'image mais pas le son, vous aurez les deux tout à l'heure normalement. Ce 01Live Hebdo est terminé, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et on se retrouve très très vite sur 01net TV, bien entendu. Salut à tous.